Nous allons lire Genèse 48 à 50. Jacob bénit les fils de Joseph. 48. Après ces événements, on avertit Joseph que son père était malade. Il partit avec ses deux fils, Manassé et Éphraïm, lorsqu'on annonça à Jacob que son fils Joseph venait lui rendre visite. Il fit un effort et s'assit sur son lit. Il dit à Joseph, « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, au pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, « Je te donnerai de nombreux enfants pour faire de toi l'ancêtre d'un ensemble de peuples. J'accorderai ce pays à tes descendants en propriété définitive. » Jacob ajouta, « Tes deux fils nés en Égypte avant que je vienne t'y rejoindre, je les considère comme mes fils. Éphraïm et Manassé sont miens, comme Ruben et Siméon. » Mais les fils qui te naîtront après eux resteront les tiens. C'est dans le territoire de leurs frères aînés qu'ils recevront leur part d'héritage. Lorsque je revenais de Mésopotamie, peu avant d'arriver à Éphrata, au pays de Canaan, ta mère Rachel est morte près de moi, en cours de route. Je l'ai enterrée là, au bord de la route. Éphrata s'appelle maintenant Bethléem. À ce moment-là, Jacob aperçut les fils de Joseph et demanda, « Qui est-ce ? » Ce sont les fils que Dieu m'a donnés ici en Égypte, répondit Joseph. Son père reprit, amène-les près de moi pour que je les bénisse. Jacob était si vieux que sa vue avait beaucoup baissé. Il ne voyait plus grand-chose. Joseph fit approcher ses fils. Jacob les serra contre lui et les embrassa. Puis il dit à Joseph, je n'espérais plus revoir ton visage, et voilà que Dieu me permit de voir même tes enfants. Alors Joseph retira ses fils qui étaient sur les genoux de son père, et il s'inclina jusqu'à terre. Ensuite, il prit ses deux fils par la main. Éphraïm, qu'il tenait à sa droite, se trouva à gauche de Jacob, et Manassé, qu'il tenait à sa gauche, se trouva à droite de Jacob. Il les fit de nouveau approcher de leur grand-père, mais Jacob croisa ses mains. Il posa sa main droite sur la tête d'Éphraïm, bien qu'il fût le plus jeune, et sa main gauche sur la tête de Manassé, qui était l'aîné. Et voici la bénédiction qu'il donna à Joseph. Je prie le Dieu devant toi, qui, mon grand-père Abraham et mon père Isaac, ont toujours vécu. Le Dieu qui a pris soin de moi depuis toujours. L'ange qui m'a délivré de tout mal, je lui demande de bénir ces garçons. Que grâce à eux, mon nom survive, comme ceux de mon grand-père Abraham et de mon père Isaac. Qu'ils aient de très nombreux descendants, partout dans le pays. Joseph fut choqué de voir son père poser la main droite sur la tête d'Éphraïm. Il lui saisit la main pour la déplacer de la tête d'Éphraïm sur celle de Manassé, en disant « Non, mon père, tu te trompes, c'est celui-ci l'aîné, mets donc ta main droite sur sa tête. » Mais son père refusa et lui dit « Je sais, mon fils, je sais. Les descendants de Manassé aussi deviendront un grand peuple. Pourtant, son frère cadet sera plus grand que lui, et ses descendants formeront une multitude de nations. » Ce jour-là, il leur donna sa bénédiction en ces termes. Les Israélites se serviront de vos noms pour prononcer des bénédictions. Ils diront « Que Dieu te traite avec la bonté qu'il a montrée à Éphraïm et à Manassé. » Ainsi Jacob plaça Éphraïm avant Manassé. Il dit ensuite à Joseph « Je vais bientôt mourir, mais Dieu sera avec vous et il vous ramènera dans le pays de vos ancêtres. Quant à moi, je t'attribue une part la plus importante qu'à tes frères. » Je te donne la région de Sichem que j'ai conquise sur les Amorites grâce à mon épée et à mon arc. Jacob donne sa bénédiction à ses 12 fils. 49. Jacob convoqua ses fils et leur dit, réunissez-vous, je vais vous annoncer ce qui vous arrivera dans l'avenir. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez votre père Israël. Toi, Ruben, tu es mon fils aîné, le premier que j'ai engendré. Quand j'étais plein de force, tu surpasses tes frères en dignité et en puissance. Tu es un torrent impétueux. Pourtant, tu ne seras plus le premier, car tu t'es déshonoré en entrant dans mon lit avec une de mes épouses. Siméon et Lévi sont frères. Ils s'accordent pour agir avec violence, mais je ne participerai pas à leur complot. Je n'assisterai pas à leur rencontre, car dans leur colère, ils ont tué des hommes et par plaisir, ils ont mutilé des taureaux. Je maudis leur ardente colère et leur fureur impitoyable. Je disperserai leurs descendants en Israël. Je les éparpillerai dans tous les pays. Judas, tes frères chanteront tes louanges. Tu forceras tes ennemis à courber la nuque et tes propres frères s'inclineront devant toi. Judas, mon
lion qui a dévoré sa proie et regagne son repère. Le lion s'accroupit, se couche. Qui pourrait le forcer à se lever? Le sceptre royal demeura dans la famille de Juda. Le bâton des chefs restera aux mains de tes descendants jusqu'à ce que vienne son vrai possesseur, celui à qui les peuples seront soumis. La vigne alors sera si répandue qu'il se permettra d'y attacher son âne. Il lavera son vêtement dans le vin, son manteau dans le sang des raisins. Le vin avivera l'éclat de ses yeux et le lait la blancheur de ses dents. Zabulon s'installera au bord de la mer, là où les bateaux trouveront un port. Son territoire s'étendra jusqu'à Sidon. Issachar est un âne robuste, établi au milieu de ses enclos. Il a vu que l'emplacement était bon, que le pays était agréable. Il a tendu son épaule pour porter des charges. Il s'est soumis à un travail d'esclave. Dan aura son peuple à gouverner, comme les autres tribus d'Israël. Dan est comme un serpent sur la route, une vipère au bord du chemin. Le serpent mord les jarrets du cheval, et le chevalier tombe à la renverse. Seigneur, j'espère que tu me sauveras. Gad, attaqué par des pillards, contre-attaque et les poursuit. Le pays d'Aser donnera d'abondantes récoltes. La terre fournira des produits dignes d'un roi. Nephtali est une gazelle en liberté qui met au monde de beaux petits. Joseph est une plante fertile qui pousse près d'une source. Ses branches passent par-dessus le mur. Des tireurs à l'arc l'ont exaspéré et ont lancé leurs flèches. Ils l'ont harcelé, mais il a tenu fermement son arc. Ses bras et ses mains ont gardé leur agilité. Par la puissance de Dieu, fort de Jacob, tu es devenu le berger, le rocher d'Israël. Par le Dieu de ton père, qui est ton secours, par le Dieu tout-puissant, qui te bénit, reçois les bienfaits de la pluie qui descend du ciel, de l'eau qui monte des profondeurs du sol, de la fertilité des femmes et du bétail. Les bénédictions données par ton père surpassent les bienfaits des montagnes éternelles, les produits désirables des collines antiques. Que les bénédictions de son père descendent sur la terre de Joseph, sur celui qui est le chef de ses frères. Benjamin est un loup féroce. Le matin, il dévore une proie et le soir, il partage le butin. À eux tous, ils forment les 12 tribus d'Israël. Telles sont les paroles que leur adressa leur père quand il les bénit. À chacun, il accorda une bénédiction particulière. Mort de Jacob. Jacob fit ensuite ses recommandations à ses fils. Quand je serai mort, enterrez-moi dans le tombeau de mes ancêtres. C'est la grotte située dans le champ d'Ephron le Hittite, à Macpéla, près de Mamré, au pays de Canaan. Abraham a acheté ce champ à Ephron pour que le tombeau soit sa propriété. C'est là qu'on l'a enterré, ainsi que sa femme Sarah, puis Isaac et sa femme Rebecca. J'y ai moi-même enterré Léa. Le champ et la grotte qui s'y trouvent ont été achetés aux Hittites. Quand Jacob eut fait ses dernières recommandations à ses fils, il se recoucha, puis il rejoignit ses ancêtres dans la mort. Les funérailles de Jacob. 50. Joseph se précipita vers son père, dont il couvrit le visage de larmes et de baisers. Puis il ordonna au médecin qui était à son service de préparer le corps de son père en vue de l'enterrement. Selon la coutume, les médecins passèrent 42 jours à enduire le corps d'huile parfumée pour le conserver. Les Égyptiens célébrèrent le deuil de Jacob pendant 70 jours. Quand le deuil de Jacob eut pris fin, Joseph dit aux proches du pharaon : si vous avez de l'amitié pour moi, veuillez transmettre de ma part ces paroles au pharaon. Avant de mourir, mon père m'avait juré de l'enterrer au pays de Canaan, dans le tombeau qu'il s'est préparé. Autorise-moi donc à aller l'enterrer maintenant, puis je reviendrai. Le pharaon permit à Joseph d'aller enterrer son père et de tenir ainsi sa promesse. Joseph se mit en route. Il était accompagné des dignitaires du palais au service du pharaon, des anciens de toute l'Égypte, de toute sa famille, de ses frères et des autres membres de la famille de son père. On ne laissa dans la région de Goshen que les petits-enfants et le bétail.
m'avait acheté ce champ à Éphron le Hittite pour que le tombeau soit sa propriété. Après avoir déposé le corps de son père dans le tombeau, Joseph regagna l'Égypte avec ses frères et tous ceux qui les avaient accompagnés pour l'enterrement. Après la mort de Jacob, les frères de Joseph se dirent : maintenant que notre père est mort, Joseph pourrait bien se retourner contre nous et nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. Ils firent donc parvenir à Joseph ce message : avant de mourir, ton père a exprimé cette dernière volonté. Dites de ma part à Joseph : par pitié, pardonne à tes frères la terrible faute qu'ils ont commise, tout le mal qu'ils t'ont fait. Eh bien, veuille nous pardonner cette faute à nous qui adorons le même Dieu que ton père. Joseph se mit à pleurer lorsqu'on lui rapporta ce message, puis ses frères vinrent eux-mêmes le trouver, se jetèrent à ses pieds et lui dirent : nous sommes des esclaves. Mais Joseph leur répondit : n'ayez pas peur, je n'ai pas à me mettre à la place de Dieu. Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a voulu changer ce mal en bien. Il a voulu sauver la vie d'un grand nombre de gens, comme vous le voyez aujourd'hui. N'ayez donc aucune crainte, je prendrai soin de vous et de vos familles. Par des paroles affectueuses, il les réconforta. Ainsi, Joseph et la famille de son père demeurèrent en Égypte. Joseph vécut 110 ans. Il vit naître les enfants et les petits-enfants de son fils Éphraïm. Et il adopta les enfants de son petit-fils Makir, fils de Manassé. Un jour, Joseph dit à ses frères : je vais bientôt mourir, mais Dieu vous viendra certainement en aide. Il vous fera quitter l'Égypte pour vous conduire dans le pays qu'il a promis à Abraham, Isaac et Jacob. Jurez-moi donc d'emporter mon corps avec vous lorsque Dieu interviendra ainsi pour vous. Joseph mourut en Égypte à l'âge de 110 ans. On enduisit son corps d'huile parfumée pour le conserver, et on le déposa dans un cercueil de pierre.